Facebook avant d'arriver au centre d'accueil. Voilà, j'avais plein de femmes qui me draguaient, avec, tout le temps, j'étais avec une autre, demain avec une autre, et puis il y avait même des histoires autour de moi, jusqu'à, il y avait une histoire, un esprit de femme de nuit, qui couchait même avec moi la nuit, je sortais la nuit, j'étais, tout était mouillé, tout ça. J'étais aussi dans la cigarette, et fumais, voilà, pendant des années, tout ça, et puis bon, je ne me sentais pas bien, je ne me sentais vraiment pas bien, parce que vous savez, quand il y a plein de femmes qui sont après vous, qui sont derrière vous, qui vous faites draguer par les femmes tout le temps, arriver à ce moment, c'est le mensonge. Vous êtes obligé de mentir. Hein, à certaines personnes, pour arranger certaines personnes, il faut mentir, il faut dire des choses qui n'étaient pas vraies. Ils ne sont pas juste pas parce que vous êtes menteur, mais juste par rapport à la situation, pour ne pas frustrer, pour ne pas tuer chose, vous êtes obligé de mentir. Et arriver à ce moment, ça fatigue. Ça fatigue, vous sentez vraiment fatigué de vivre cette vie-là. Et vous voulez, si vous avez un désir en vous qui vient, qui dit non, mais il faut que j'arrête toute cette vie-là. J'étais une personne nerveuse, mais vraiment nerveuse. Très nerveuse, j'étais vraiment. Je peux rester avec des personnes qui sont avec moi, et puis subitement, j'ai pas envie que tu me parles. Et ça arrivait souvent avec les filles. La personne est bien avec moi, et puis du coup, je dis non, non, aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie de parler. La personne n'a rien fait, mais j'ai pas envie. Souvent, je suis dans mon coin. J'ai eu des problèmes de papier, je suis resté plein d'années. Beaucoup d'années, je me suis fait même arnaquer par une fille qui m'avait dit qu'elle était enceinte. Et c'est ma petite soeur qui m'a appelé pour me dire, hey, grand frère, il y a une fille qui est enceinte, tout ça, ce qui n'est pas légal. Voilà, donc elle est enceinte, elle veut faire reconnaître sa grossesse parce qu'elle a besoin d'argent. Donc moi, on m'en parle et puis j'aborde la personne. Elle me dit, effectivement, elle avait une grossesse comme ça, mais en fait, tout ça, c'était faux. Voilà, et moi, j'enlève le premier jour, mais j'enlève 100 euros, oui, mais d'accord, je donne ça juste pour aller faire ta cuisine, tout ça. Ça m'intéresserait de. Comme vous avez dit que vous avez besoin d'argent, moi je reconnais la grossette et je lui donne. Elle a donné la somme qu'elle voulait. Je lui ai même donné la somme. Je lui ai donné 2000 euros dans le temps. Dans une bouche de métro où on s'est croisé comme ça, elle était avec un jeune, je lui ai donné de l'argent. Puis après, on s'est fait les trucs. Elle m'a fait un semblant d'aller à la mairie pour aller reconnaître, une reconnaissance anticipée. Elle m'a fait tout ça, c'est du faux. Et le moment venu où je devais maintenant la croiser, par rapport à la grossesse, son portable est fermé constamment. Donc j'ai appelé plusieurs fois. Impossible. C'était pas une vie. C'était vraiment pas une vie. Le plus difficile, c'est de ne pas avoir un titre de séjour dans un pays où je suis. Voilà, de ne pas avoir de titre de séjour, pouvoir travailler, m'épargner. Franchement, c'est difficile pour moi. Parce que travailler sans des documents pendant des années, mentir, prendre des documents des gens, dire avec un autre nom, mettre un autre nom. Même en Angleterre, quand j'en étais, c'est pareil, j'avais un autre nom. On m'appelait comme ça. Tantôt était musulman, tantôt était chrétien. Et pendant des années, vraiment, c'est difficile. J'ai connu l'église universelle du règne de Dieu au 220 logements à Abidjan. Je suis allé, je croisais le pasteur, je lui ai expliqué. Pasteur, je ne comprends pas ma vie, voilà. J'ai participé à plein de propos. La campagne d'Israël, ça fait ma troisième campagne que je fais. Voilà, et jusqu'à présent, je continue. La campagne d'Israël, pour moi, c'est une relation personnelle avec Dieu. Cette campagne. Parce que c'est cette campagne-là qui t'amène à croire, même si tu ne croyais pas, parce que tu mets ton Dieu à l'épreuve. Donc moi, la campagne d'Israël, ça compte beaucoup pour moi. Ah, je suis devenu un homme bien, je suis très bien dans ma peau, je suis tellement bien que je suis venu bien dans la tête. La cigarette, j'ai arrêté de fumer, voilà, parce que je me disais, on ne peut pas aller à l'église et puis prier Dieu, demander à Dieu de venir s'installer en toi et puis mettre encore la fumée. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait des années que je ne touche plus à la cigarette. Et le cauchemar, je n'en fais plus. Ouais. Avant, je faisais. C'est vrai que la femme de nuit me venait toujours. Mais aujourd'hui, par rapport à la prière, les prières de délivrance, aujourd'hui, je dors tranquille, je me réveille tranquille. Il n'y a plus de cauchemar. Et ma vie professionnelle, vraiment, c'est ça qui a été un truc pour moi. Mais Dieu a toujours mis la main là où je suis. Quand je crie à Dieu, il est toujours présent. Là, il m'a béni, parce qu'il m'a béni, il m'a sauvé mon titre de séjour, il m'a donné un travail où il y avait plein de personnes qui voulaient ce poste, et que ces personnes qui étaient avec moi, ils avaient tout ce qu'il fallait, parce que c'est des gens qui avaient déjà fait le travail, ils avaient les CV qui étaient vraiment remplis, moi je n'avais même pas de CV, franchement je n'avais pas de CV, je ne sais même pas ce travail-là, mais il m'a choisi dans ce lieu-là, il m'a pris moi seul, il m'a dit non c'est toi que je veux. Ah, le centre d'accueil c'est une mère pour moi, il dit... La mère, elle aime son enfant, quel que soit ce que l'enfant est, elle aime parce qu'elle a fait 9 mois. Le centre d'accueil nous accueille toujours.
Bienvenue dans l'émission France en direct. Nous découvrons chaque jour des témoignages, des faits, des récits de personnes qui, à travers l'usage d'une foi intelligente, pratique et efficace, sont en train de reconstruire leur vie. Est-il possible de reconstruire une vie après 20, 30, 40 années de souffrance, de malheur? Beaucoup de personnes vous diront non. Et elles répondent non parce qu'elles n'ont pas conscience du pouvoir qui existe dans une foi réelle, dans une foi forte. Centre d'accueil universel, nous apprenons à utiliser la foi biblique, la foi qui animait les héros du passé et qui continue à agir aujourd'hui d'une manière extraordinaire dans toutes celles et ceux qui non seulement la possèdent, mais qui en font usage. Je vous invite à accompagner dès à présent le récit de Micheline. Soyez attentifs. Avant d'arriver au centre d'accueil, à l'âge de 10 ans, j'ai été touchée par mon oncle. Et à l'âge de 16 ans, je vivais chez une cousine de ma mère. Et cet homme-là m'a abusée pendant 5 ans. Et après, finalement, et ma mère, elle ne me croyait pas. Je voulais expliquer ça à ma mère, elle ne voulait pas me comprendre. Mais cet homme-là, elle a toujours mis de l'argent sous mon oreiller pour ne pas parler. Mais un jour, c'est un moment, je voulais parler ça avec la cousine de ma mère, sa femme. Et sa femme ne voulait pas comprendre. Et c'est là que j'ai pu essayer de me sortir, mais je n'arrive pas à m'en sortir. Mais lui, il m'a toujours mis dans une chambre pour regarder tous les films qu'il est en train de regarder. Moi, je devais faire ce qu'il serait en train de faire à la télé. Et j'ai fait. Mais à chaque fois qu'il vient, parfois je suis fatiguée, mais lui, il vient quand même pour me réveiller, pour aller dans sa chambre. Là, j'étais obligée, mais j'ai toujours une angoisse à l'intérieur de moi-même, une tristesse, mais je trouve, je suis fermée, je n'arrive pas à expliquer les gens à côté de moi. Parce que c'était un homme qui est riche, on peut pas, tout, il est populaire, on ne peut pas expliquer ça. Finalement, je voulais expliquer ça vraiment à sa femme. Et sa femme ne voulait pas comprendre ce que je vais dire. Et lui, il est passé devant moi pour dire à sa femme que je fréquentais tous les hommes qui dans le quartier. Je suis arrivée en France avec une tristesse, angoisse, amertume. Et après, j'ai beaucoup de haine envers ma mère parce que j'ai pensé qu'elle devait savoir. Parce qu'à chaque fois que j'ai donné de l'argent, elle devait me demander où se trouve cet argent-là. Mais elle ne m'a jamais demandé de l'argent. C'est comme si j'ai occupé ma famille pendant 5 ans. Et là, j'étais obligée envie de pardonner ma mère, mais je n'ai pas envie. À chaque fois, j'ai envie de le faire, mais je n'ai pas envie parce que elle, j'ai la haine envers elle. Bon, quand je suis arrivée en France, je n'ai pas de papier, rien du tout. Je suis arrivée en France. Il faut travailler pour avoir de papier. Alors, j'ai travaillé sur un papier quelqu'un. J'ai acheté un papier, un passeport. À peu près 1 800 euros pour travailler. C'est un papier français. On a enlevé la photo et la personne, on a mis ma photo. Alors j'ai travaillé dans un hôtel pendant 3 ans. En travaillant dans cet hôtel-là, et j'ai l'angoisse, j'ai tristesse, j'ai toujours peur s'il y a des policiers, s'il y a un expert, tout ça, j'ai toujours peur. Mais d'un coup, ce que j'ai fait, j'ai continué à travailler, mais d'un coup, je ne voulais pas continuer. Je suis obligée d'aller dire le patron, je démissionne. Quand je démissionne, j'ai arrêté sans papier. À l'intérieur de moi-même, j'ai angoisse, tristesse. Mais quand je suis toute seule, je pleure. Quand je suis toute seule à la maison, je pleure. J'ai toujours réfléchi, voilà tout ce qui est, pourquoi tout ça m'arrive. Est-ce qu'il y a un Dieu vraiment qui peut m'aider? Parce que si je suis en train de chercher pour voir ce qui pour combler ce vide, mais je n'arrive pas. Et j'ai toujours une tristesse, angoisse. C'est comme si j'arrive pas à trouver c'est quoi cette angoisse-là, mais il était à l'intérieur de moi-même. Je voulais sortir, mais j'arrive pas. J'ai essayé d'aller trouver des amis pour parler, faire plaire des autres, mais oui, j'ai fait des cauchemars. J'ai couché en dormant. J'ai même vu que je suis en train de coucher avec mon père. Quand j'ai vu que je suis en train de coucher avec mon père, j'étais vraiment peur à l'intérieur de moi-même.
comme d'habitude, j'ai ma soeur qui est tout, on vivait ensemble, on dormait ensemble. J'ai peur de dormir avec ma soeur pour ne pas toucher ma soeur. Le moment le plus difficile, c'est que j'avais rien du tout pour arriver à m'en sortir. Et j'ai pas de personne qui pour m'écouter. Et même que j'essaye de m'approcher des gens pour parler, ils n'arrivent pas à me comprendre. Parce que même que je dis à la personne avec mes yeux, voilà ce que j'ai fait, on ne va pas me croire ce que je suis en train de passer. Vous n'avez pas réfléchi aux conséquences. Pour cette raison, vous êtes ici. Emprisonné à cause des choses dont vous pensiez qu'elles vous rendraient heureux. À cause d'addictions nocives, des relations perdues et des finances détruites. Votre pensée se retrouve prisonnière de vos échecs et de vos frustrations. Sachez que si vous désirez changer votre situation, le centre d'accueil a ses portes ouvertes tous les jours pour vous. Nous souhaitons vous aider à vous libérer de toute prison où vous vous trouvez. Centre d'accueil, définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Nous savons qu'à l'image de Micheline, il existe un nombre incalculable, innombrable de personnes qui ont subi durant leur vie des traumatismes qui, jusqu'à aujourd'hui, marquent leur intérieur. Et de thérapie en thérapie, d'examen en examen, le problème persiste, reste, parce qu'il y a des problèmes qui touche l'âme, qui touche l'esprit d'une personne. Et seul l'esprit est capable de guérir l'esprit. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous en appelons à la foi, lorsque nous tournons nos regards vers le Créateur de la vie, vers l'Auteur de la vie, alors nous trouvons la solution. Et peut-être que vous êtes une personne dont la vie est marquée par la souffrance. Vous êtes cette personne dont la vie est marquée par le chaos, par la désolation, qui avait déjà frappé à tant de portes, déjà parcouru tant de chemins. Et chaque réponse négative, chaque échec vous frustre un peu plus, vous abat un peu plus, vous décourage un peu plus, à un tel point qu'aujourd'hui, peut-être, vous ne voulez plus rien essayer. Vous dites, ah, je vais laisser, de toute façon, il n'y a pas de place pour moi, dans une vie heureuse, dans une vie épanouie. Et c'est là que vous vous trompez. La solution est possible. Il est possible de voir la lumière au bout du tunnel, mais au-delà de voir la lumière au bout du tunnel, il est possible de sortir de ce tunnel. D'ailleurs, Micheline est sortie de ce tunnel. Voyons quelle a été la démarche qu'elle a entrepris. J'ai connu le centre d'accueil par une amie à moi. J'ai fait des chaînes de prière pour ma vie spirituelle. Chaque mercredi, je suis venue à l'église pour nettoyer l'église et je suis entrée dans les toilettes pour prier. Mais la toilette, c'était mon autel. Tout ce que j'avais, j'ai vidé dans l'autel. Tout ce que j'ai à l'intérieur de moi-même, toute angoisse, tristesse, toute amertume, j'ai mis dans la toilette même. J'ai baissé ma tête dans la toilette parce que je me suis dit que je ne suis rien. À l'intérieur de moi-même, toute cette angoisse doit sortir. Parce que je me suis dit que le pasteur, il a dit qu'on ne peut rien faire pour vous, mais c'est à vous de combattre, de sortir là où vous êtes, à l'intérieur de toi-même. Et là, j'ai pu parler dans la toilette, c'est comme si c'était mon autel. J'ai participé aux chaînes de prière parce que c'est là la réponse. Parce que l'autel, il y a tout dedans. Tout ce qu'on veut avoir vraiment à parler, c'est là. Parce que c'est l'hôtel pour avoir la communication. Parler, c'est là. J'étais obligée de vider tout ce qui est à l'intérieur de moi-même, mes angoisses, tristesse. J'ai participé aux campagnes Israël et j'ai participé dans le jeûne de Daniel. Mais lendemain encore, je retourne pour avoir mon argent, pour faire l'argent pour déposer sur l'hôtel. J'ai fait ça, c'est parce que je voulais vider tout ce qui est à l'intérieur de moi-même, parce que je suis attachée avec ça, je ne voulais pas attacher avec des choses, parce que je voulais ce qu'il y a à l'intérieur de moi-même, qu'est-ce que Dieu attend de moi-même. C'est pour ça que j'ai pu me nettoyer, je veux me vider vraiment.
Oui, j'ai passé par ce chemin-là. Je demandais pardon. Parfois même, j'ai demandé à des personnes. Et il y a des mauvais sentiments qui viennent à l'intérieur de moi-même. Je suis obligée de demander pardon. Même que je connais, j'ai rien avec cette personne-là, je suis obligée de demander pardon. Même ma soeur, elle a fait 3 mois, elle n'a pas parlé avec moi. Je savais pourquoi. Pendant la campagne Israël, elle ne voulait pas parler avec moi. Parce qu'elle a vu que je suis en train de prendre toutes les choses qui sont dans la maison. Me demander pardon, c'est parce que c'est à l'intérieur de moi-même, je veux être bien en moi-même et pouvoir avoir une communication avec Dieu. Parce que si je ne me sens pas bien à l'intérieur de moi-même, je ne peux pas avoir la communication avec Dieu. Il brise les familles. Il contrôle l'argent. Il domine la pensée. Il détruit l'harmonie. Il emprisonne la vie. Le vice. Combattez-le. Tous les dimanches à 14h30. Il y a une solution pour vous et votre entourage. Ne le laissez plus être le maître en participant de cette thérapie. Rejoignez-nous au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010, Paris. Plus d'informations sur la ligne AMI 24h. Centre d'accueil. Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Centre d'accueil.net. Pour ma vie, pour ma vie financière, c'est transformé totalement parce que j'avais pas de papier. Maintenant, j'ai un papier et j'avais pas l'endroit pour dormir. J'ai un endroit. J'avais rancune envers ma sœur et ma sœur ne m'a pas pardonné et moi j'ai pardonné. J'ai pu pardonner ma sœur. J'ai pu pardonner la personne qui m'ont fait du mal. J'ai pardonné à tout le monde et ceux qui autour de moi. Je me suis épanouie et j'ai plus de tristesse. J'ai fait plus de cauchemars. Je sens plus présence la nuit. J'ai fait plus de. Et mes yeux qui sont en train de faire l'amour avec des personnes, j'ai plus de ça. Ah, j'ai pu changer ma vie par le jeûne de Daniel. Par le jeûne de Daniel, j'ai pu vendre beaucoup de choses dans ma vie. Et j'ai pu pardonner à ma famille, pardonner à ceux qui sont autour de moi, ceux qui font du mal, moi-même. J'ai pu pardonner. Et j'ai plus d'angoisse, plus de tristesse. Et le centre d'accueil, c'est la source pour moi, la source de ma vie. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes quotidiennement, 7 jours sur 7. Ici, à Paris, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement, mais dans toute l'Île-de-France et en province, il y a une adresse proche de chez vous, une adresse proche de votre lieu de travail, où vous pourrez vous rendre et être accompagné, être écouté, être suivi et recevoir un conseil, une orientation. Et vous avez également la possibilité d'appeler l'AMI 24 heures au 01 53 35 85 12 et recevoir une parole de réconfort, une parole de motivation, une parole qui va transformer votre intérieur et va vous aider à prendre une attitude qui, au-delà de changer votre vie, la révolutionnera de fond en comble. Sentimentale, professionnelle, famille et intérieure. Ma vie était complètement détruite, complètement à terre. Quand je suis arrivé au centre d'accueil universel, j'étais une personne en fait qui était très colérique. Enfin, j'étais une personne nerveuse qui bagarrait tout le temps. J'étais une personne qui ne respectait pas ma famille. Je ne respectais pas mes parents, je ne respectais pas mes frères. J'avais tout le temps des problèmes en fait. Je sortais dans la rue, je bagarrais avec d'autres garçons. Quand j'étais encore tout petit, quand j'avais l'âge de 1 an, 2, 3 ans, mon père et ma mère, ils ont eu une séparation. Ça veut dire que ma mère, elle est partie de la maison, je n'avais pas compris ce qui se passait. J'avais grandi dans cette sphère-là où j'étais qu'avec mon père et mes grands frères.
Et au fil du temps, mes grands frères ont commencé à être des délinquants. Et j'ai commencé également à prendre cette route-là. Et donc, depuis tout petit que je suis comme ça. Et j'ai aussi c'est un mal-être que j'avais à moi, parce que moi, j'avais pas vécu avec ma maman. Donc, je voulais réellement la connaître. Je savais pas pourquoi ils étaient séparés. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment aussi, qui a beaucoup agi dans cette sorte de colère que j'ai toujours nourrie à l'intérieur de moi. Dans votre jeunesse, vous étiez dans la délinquance aussi ? Totalement dans la délinquance, oui. Quoi, par exemple ? Par exemple, je respectais pas les gens, je faisais des vols. Vous voliez ? Voilà, des vols, mensonges, bagarres. Je respectais pas les autorités, même deux fois, j'ai bagarré avec la police, j'allais au tribunal, c'était vraiment détruit. Avec mes copains, j'ai même montré cette apparence de moi qui était le plus dominant, qui voulait toujours être là, en faisant n'importe quoi. Mais quand je rentrais chez moi le soir, c'était autre chose en fait. C'est-à-dire que je rentrais chez moi, j'étais tout seul, et là, la vraie nature revenait, j'étais tout triste en fait. Et donc c'est quelque chose que je n'arrivais pas à contrôler. Et cela en fait avait de la répercussion au niveau de ma vie sentimentale, parce que j'étais avec ma copine, ça faisait 5 ans qu'on était ensemble quand je suis arrivé au centre d'accueil. Et notre vie, en fait, elle était complètement par terre. Ça veut dire que toutes les semaines, on avait toujours une histoire. Dispute, bagarre, la police qui venait à la maison, c'était horrible. Je l'insultais, je la trompais. C'était vraiment une vie où il n'y avait pas d'entente. Parce que le fait que je n'avais pas connu ma mère aussi, c'était un truc, je pense maintenant, que je n'ai pas eu cet apport-là au niveau féminin. Donc, je ne respectais pas du tout les filles, je ne respectais pas du tout. Et même comme ça, vous êtes resté avec elle 5 ans. 5 ans. La police venait, la bagarre, l'insulte, les agressions. Exactement. Une vie d'apparence, en fait. Oui. Ça veut dire que j'aimais toujours me montrer, toujours au-dessus de tout le monde. Ça veut dire que j'aimais toujours avoir tout ce qui était grand, tout ce qui brillait, tout ce qui était... C'était parce qu'à l'intérieur de moi, j'avais ce manque-là et j'ai cherché quelque chose justement pour combler ça. Ça veut dire que ça passait par des vêtements, des chaussures, des boucles d'oreilles, tout ce qui était vraiment qui attirait en fait. Mm-hmm. Donc, c'était ça ma vie. Ouais. Et ma vie professionnelle était vraiment par terre également. Quand je suis arrivé au centre d'accueil, c'est ma copine qui avait été invitée. Un mois, deux, trois mois plus tard, elle m'a réinvité. Et vous avez commencé à participer des... Et c'est là que j'ai commencé à participer des chaînes de prières. J'ai commencé vraiment, je me suis dit là... Je vais vraiment tout donner. Je vais donner ma vie. Parce que quand je suis dans le monde, en fait, je n'étais pas le genre de personne qui était timide dans des situations. C'était non, moi, je vais aller, j'y vais. Et vous avez commencé à changer. Et là, j'ai commencé à changer. J'ai commencé à participer aux chaînes de prière. J'ai commencé à vouloir vraiment ce désir-là de changer de vie. Et où entre la campagne d'Israël dans votre vie ? La campagne d'Israël, en fait, elle rentre dans ma vie 2-3 mois après. J'ai participé de la campagne, j'ai vu les témoignages. Et là, pour moi, c'était une opportunité. Je me suis dit, là, mon Dieu... Je vais tout faire. Je n'avais pas besoin de qu'on vienne m'expliquer pourquoi, comment. J'avais pris cette décision à l'intérieur de moi. Vous avez déjà accepté, vous avez compris la chose. Voilà. Vous êtes parti vers le sacrifice. J'ai fait mon sacrifice. Je ne me suis pas préoccupé si Dieu allait répondre, si Dieu n'allait pas répondre. C'est quelque chose que j'ai mis entre les mains de Dieu. J'ai continué à faire mes chemins. J'ai continué à venir à l'église. J'ai continué à participer, à être là. Je ne me suis pas préoccupé du sacrifice, de la réponse. Aujourd'hui, Brice est une personne complètement différente. Sur tous les domaines, sur tous les aspects, Brice l'a totalement changé. Au niveau de ma vie sentimentale, tout va bien. Ça fait, je crois, aujourd'hui... On est aujourd'hui même, pour vous dire, on est devenus des exemples pour nos familles maintenant. Quand il y a un problème, ils se refèrent sur nous. Aujourd'hui, ma vie sentimentale, elle est bénie. Au niveau professionnel, après la campagne d'Israël... Je suis rentré dans une grande entreprise avec un poste important dans une très grande entreprise. Le sacrifice pour lequel j'ai fait la campagne, c'était mon intérieur. C'était un nouveau Brice. Vous voulez un nouveau Brice? Intérieurement, j'ai totalement changé. Je suis plus du tout la même personne. Brice, félicitations. Je vais même t'enlacer parce que tu es devenu un champion. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup. Bien, nous arrivons à la fin de notre émission. Les témoignages, les récits confirment nos paroles. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire une chose, à prendre une attitude. Ne pensez pas que cela n'arrive qu'aux autres. De la même manière que le malheur n'arrive pas qu'aux autres, les bonnes choses ne sont pas seulement destinées à un petit groupe de personnes qui auront eu de la chance. Non, le changement est pour celles et ceux qui prennent une attitude. Il n'est pas facile. La persévérance est de rigueur.
la persistance est de rigueur, mais la lumière est au bout du tunnel. Pour vous aussi, à bientôt.